Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour ma nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube, pardon. Aujourd'hui on se retrouve pour la sixième partie de Crash Team Racing, avec aujourd'hui en compagnie de Dingo Deal. C'est parti, on va s'attaquer tout de suite à la suite des jetons de la deuxième île. J'espère que tout le monde va bien, surtout en ce moment. Pensez bien à vous laver les mains. Ah, incroyable. Pensez bien avoir acheté des pâtes. Ah oui. Allez, défi CTR, on va arrêter de dire des conneries. Ah, on n'a jamais vu ça, incroyable. Donc on continue. Ouais, donc les 4 courses plus les cristaux à ramasser. Ça va être formidable, merveilleux. Nous sommes aujourd'hui, le dimanche 15 mars, et aujourd'hui est un jour spécial, car aujourd'hui c'est l'anniversaire du mafieux. Eh oui. Eh oui, 29 ans. Vous vous rendez compte? L'année prochaine, je passe la barre des 30. L'année 30 ans! Que voulez-vous? Hop, on voit tout de suite le C. Oh là là, magnifique. J'adore ce véhicule. Hein. Je pense qu'on va le garder parce que... Il est bien dans ses couleurs et tout ça, je trouve ça cool. Maintenant on va se concentrer un peu là parce que on a du pain sur la planche. Alors oui, j'ai mis les musiques d'origine. Donc nostalgie power plus plus. Ok. Et voilà. On est bien. Il n'y a plus qu'à finir la course. Ouais, c'est une des courses les plus simples. Hein. C'est quasiment un ovale. Donc voilà. On va faire les tours tranquillement. Eh bien. Bah alors désolé oui de n'avoir pas publié des. Enfin moi expliqué plutôt. J'ai fait une petite pause. J'avais un peu la flemme, pour tout vous dire. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans 5 jours sort un jeu que j'attends beaucoup. Mes proches sont courants, je les casse les couilles avec ça depuis un petit moment. Ce jeu s'appelle Doom Eternal. Voilà, pour pas le nommer. Et du coup, j'avais vu sur Steam Doom, Doom 2 et Final Doom à 4,49€. Quelque chose comme ça. Et je voulais l'avoir avant l'offre. Donc, vu que j'avais pas les moyens, j'ai demandé un peu autour de moi et on m'a dit « Ah, mais moi, je peux te le prendre !» Donc j'ai dit « Bah putain, super, cool !» En contrepartie, je vais lui offrir un abonnement à une chaîne Twitch qui s'appelle La Casa de Finen. Al Casa de Finen. Et du coup, voilà, donc il me le paye. Donc, bon, voici avec 4 jeux que je connais par cœur. Mais, la chose qui est formidable, vu que c'était sur PC, c'est que sur PC, pas où la prendre, on peut mettre des mods. Alors du coup, j'ai essayé de trouver un tuto sur internet facile, parce que moi, vu que je suis une bouse intersidérale sur PC, bah, j'ai essayé de m'aider. En premier lieu, je voulais mettre Brutal Doom, parce que j'ai toujours voulu faire ça. Alors voilà, j'ai réussi à trouver Brutal Doom, donc je commence et tout, c'est formidable. Et puis, il y a un autre feature anglais qui faisait... des modes de Doom, et je trouvais ça super intéressant. Il y avait beaucoup de
choses qui m'intéressaient, notamment des maps où on pouvait, par exemple, avoir 20 000 démons. Voyez. Et moi, je trouve ça fabuleux. T'as 20 000 démons qui te foncent dessus. Voilà, t'as qu'une envie, c'est de faire ça, quoi. C'est tous les déglinguer. Donc voilà, donc j'ai, il m'a donné quelques tuyaux. Alors, on s'est parlé sur. Comment? Enfin, moi, je lui parlais face traduction Google, donc je sais pas si c'était parfait, au moins il comprenait. Puis quand il me répondait, en fait, je faisais traduction en français. Il m'a donné un site qui s'appelle Doomworld, et donc tu fais ton compte gratuitement et tout ça. Et une fois que tu as déjà le mode Brutal Doom, et ben, tu peux télécharger tout ce que font les gens. Il y a des gens qui font 32 maps. Hein. Donc tu prends un truc gratuit, 32 maps, laisse tomber. En fait, c'est comme Mario Maker, mais version Doom. Voilà. Et j'en ai une quarantaine comme ça à faire. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo pendant 2 semaines. Parce que j'étais à fond dessus. Mais là, je me suis dit... oh, ça va quand même se voir, hein, si je fais pas de vidéo. Un peu. Donc voilà, cette 6e partie en cours. Je pense qu'elle sera disponible le lendemain. Vu qu'il est déjà 20 heures passées, là, le temps que... voilà, vous voyez. Connexion ici... pas super super. Mais quel... J'ai loupé le C. Ah, le R, il est là. Voilà, magnifique. Ah, j'étais en train de vous parler, je savais même plus pourquoi... ce qu'on faisait là, en fait, si on faisait une course comme ça. Non, non, en fait, on a une mission à remplir et ce serait bien de la remplir. Pardon. Ça fait stresser, lui. Alors, on va essayer de bien sauter sur le C. Pas grave, on aura au prochain tour. Merci beaucoup. Il reste 7 jours au Grand Prix. Et je n'ai toujours pas débloqué l'Empereur Vélo 27. Il serait peut-être temps. Bon, alors là, on va pas prendre le raccourci ici parce qu'après on va être marron. Alors là, il faut pas se louper. Hein. Ouais, c'est bon. Impeccable. Ah, il reste tellement peu, 20 de juice. Non, tout va bien, Tini. C'est qu'une bouteille de coca. Ah. Oui, mon chat a peur de pchit, des bouteilles de coca. Vous en foutez? Vous avez raison. Ça fait du bien par où ça passe, bien évidemment. Dingo, dingo, dingo. Oh mais... Mettez Dingo Deal en Funko Pop quoi. Regardez-moi ça avec son... avec son lance-flamme, ce serait super stylé. Hop là, c'est parti pour... Canyon Dingo. C'est le canyon, et il est dingo, c'est le canyon, dingo. C'est le canyon, il est dingo, c'est le canyon, dingo, et... Oui, m'excusez.
Allez, c'est parti. Échauffez la gomme. La pomme. C'est parti pour la petite pomme. Je veux cette pomme Oompa dorée. Et pourquoi je dis pomme, c'est fruit Oompa? Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Et je suis trop concentré dans la récupération des lettres. Je crois qu'on est ici, ouais. Voilà. Pardon? Par contre, le C. C'est parti, mon kiki. Non, mais. Fais quelque chose de ta vie quand même. Oh là 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 là. Je n'aurai pas ce Free Oompa d'or. Je vous le dis, moi. Et tant pis, hein. Ainsi va la vie, hein. Ouais, non. J'ai jamais vu ça ici. Ah! C'est le fail. C'est le fail du vendredi soir, alors qu'on est dimanche. J'ai esquivé la TNT, je sais pas comment j'ai fait ça. Nanana, nanana, nanana. Et toi, la Free Oompa, tu commences à me troller, j'aime pas bien ça. En plus, elle est de l'autre côté, hein. J'ai jamais vu ça, hein. Tiens, je lance un missile dans le pion. Saloperie, hein. Ah, voilà. Bon, je pense que je vais faire... après la vidéo, je vais faire une petite course tranquille en ligne et ça va me débloquer l'Empereur Vélo 27. Alors, il reste quoi à faire? Eh bah, tombe le tigre, eh bah, c'est parti. Temple tigre. Si, si, temple tigre. Ah oui, et donc, vu qu'aujourd'hui c'était mon anniversaire, j'ai reçu une magnifique pop de la meilleure amie de Janine. Qui est... Alors, attention. Ah, ok, donc je fais le cristaux. Oui, non, on s'en bat les couilles, hein. Qui est... la pop de Crash Team Racing. Ah ah. On est fan de Crash ici, on n'est pas... Ok, d'accord. Pas celle-là, hein. On est fan de Crash ou on n'est pas fan de Crash ici? Je me souviens plus du tout de ce... Ah, je pense que lui, on va le faire en plusieurs fois parce que là... Là, c'est une catastrophe, Thérèse. Voilà, très bien, très bien. Non, attendez, non, ça ne va pas. Je ne suis pas assez concentré, je suis plus con que centré. Votre gueule.
Le but évidemment est de esquiver les TNT. Essayer d'accélérer un peu aussi là, parce que sinon on va mettre 108 ans. Mickey ! Oui, je me la prends en plus hein. Que j'étais beaucoup stressé, hein. J'ai serré les fesses. Hein. Il restait que 5 secondes, enfin 4 secondes et des poussières. Ah, ça m'a fait peur. Hein. Ça m'a fait peur. Doubidou tata. Du coup, ben, il nous reste plus que Temple Tigre à faire. Et ce serait bien de le faire, du coup. Non, vous ne pensez pas. Donc, le Temple Tigre, il est là. Bientôt 20 minutes, ouais. Peut-être une courte vidéo, mais au moins c'est bien. Ça fait pas trop long à regarder. Surtout que c'est les mêmes courses, quoi. Donc à force, ça va peut-être devenir redondant pour vous. Mais bon, on va quand même le finir hein, pour vous montrer la cinématique de fin. La vraie cinématique de fin. Ok, donc le T, il est là. Le C, on va essayer de le choper. Et une mini-co pour... D'accord, d'accord, merci. Merci d'être venu, en tout cas, c'est sympa. Merci d'avoir sauté. Je remercie éventuellement le bouton R1 d'être toujours présent. Ça fait plaisir. Hein. Voilà. Donc du coup le thé... non moi je vois pas de thé. Hein. Je vois pas de thé. LOL. Bah je vois pas de thé. Bah la lettre T. Voilà, donc du coup j'ai récupéré toutes les lettres. On va terminer la course. Petit micro qui fait zizir. Oula. Oula, pousse ça.
On met un peu, on fout un peu le bordel hein, sur la fin de course. Et voilà. Et j'ai débloqué l'Ampère Vélo 27. Magnifique. Ah bah voilà, et comment terminer une bonne vidéo? Eh ben comme cela. Et d'ailleurs je pense qu'on jouera avec l'Ampère Vélo 27 au prochain épisode. C'est vraiment incroyable. Je sais pas pourquoi je porte accent. Je crois que c'est l'accent de l'Ampère Vélo 27. Voilà, écoutez les gens, on va se laisser sur ce podium. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très rapidement pour épisode 7 de Crashing Racing. En attendant, portez-vous bien et n'oubliez pas de bien vous laver les mains. A plus soumis.